بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتقي الطائعين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Avant de commencer, en vous citant les versets que je vais commenter présentement, la sourate Al-Baqarah, versets 51-54. La dernière fois, il y a eu un honorable Shir Mujtahid qui m'a dit, et là ce n'était pas un reproche, que la méthode de moi, c'est-à-dire de votre serviteur, était novatrice, c'est-à-dire par rapport au fait que certains savants, la plupart des savants, ne faisaient pas un tafsir comme cela. Et donc, parce qu'il dit que normalement, et on le sait très bien, et j'avais déjà fait des vidéos qui condamnent le commentaire par l'opinion, tafsir Belraï, on sait très bien que c'est condamnable d'après Ahlul Bayt. Normalement, on met toujours en avant les hadiths de Ahlul Bayt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous laisse les deux poids, kitab Allah wa itrati Ahlul Bayt. Je vous laisse les deux poids, le livre d'Allah et les Ahlul Bayt. Et Ahlul Bayt, donc forcément, pour commenter le Coran, ils ne se serreront pas jusqu'au bassin. Forcément, on a besoin des Ahlul Bayt, alayhi salam. C'est eux qui enseignent le Coran. Et même dans les Ziyar, on parle de les interprètes du Coran, tarjamat al-Quran, ceux qui interprètent. Hein, on pourrait dire traduire, mais en réalité c'est aussi une forme de traduction, d'interpréter le Coran comme il doit être, car ils sont le Coran, le Coran parlant. Et dans le Zéan, on dit toujours, donc le même, il y a des hadiths, et j'en avais parlé plusieurs fois, qui condamnent le commentaire par l'opinion, et on dit « ma'akum, ma'akum, la ma'adouikum », c'est-à-dire « avec eux, en dehors et contre ». Non pas avec leurs ennemis. Et bien d'autres choses, donc normalement le commentaire se doit d'être avec Ahlul Bayt, alayhim salam, faqat, 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 uniquement, uniquement, uniquement. Il n'y a pas d'autre chose en réalité. Tout le reste la conjecture. Maintenant, moi je ne suis pas contre, par exemple, c'est Mohamed Bakar Saad qui a écrit son livre Tafsir al-Mudawri al-Quran, un tafsir thématique sur un sujet bien donné. Essentiel, ça ne soit pas en opposition avec les hadiths. Mais là, quand on voit le Mufassir présentement, donc moi, ma méthode sera toujours, surtout quand il est complètement en dessous. Là, vous allez voir que là, finalement, au début, il avait bien maintenu. Maintenant, il ne dit rien en vérité. Ça ressemble vraiment à un tafsir bakri. Ça veut dire, de la même manière qu'on lit les versets, sauf s'il y aurait peut-être quelques équivoques, mais là il n'y a pas d'équivoque, c'est comme ça qu'il explique le Coran. Donc en fait, ça n'a strictement rien. Les bakri font la même chose. Si vous revenez dans les tafsirs Ibn Kassir ou autre, c'est un tafsir bilzahir uniquement. Rien du tout. Après, ils vont argumenter avec des hadiths pour eux qui vont interpréter, puisqu'ils sont en dessous
totalement du commentaire, du véritable commentaire du Coran. Ils vont remonter avec les hadiths qui expliquent le Coran extérieurement, et c'est tout, pas plus que ça. Alors que vous, quand vous allez voir le tafsir de l'imam Hassan Askari, alayhi salam, une autre lumière, une autre, rien à voir. C'est-à-dire, il n'y a que la lumière en vérité. Et Mohammed wa Ali Mohammed uniquement. Salawatullah alayhim. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Il est évident que je dois rester dans cela et je remercie ce cheikh de m'avoir souligné cela, que ma méthode divergeait. Je vais commencer par. Et en vérité, encore une fois, je suis personne, moi. Je suis rien. C'est eux qui ont des turbans, qui ont des, sont des chouillours, etc., etc., qu'ils occupent de moi ces dénis. Hein, les... Et en réalité, c'est eux qui devraient nous apporter le commentaire selon les Ahlul Bayt. Moi, je ne fais que relever, lire un tafsir et ramener les choses venant de Ahlul Bayt reliées à ces versets, tout simplement. Est-ce qu'il y a besoin d'être un cheikh ou un marja ou autre pour faire cela? J'en doute fort. Donc, les versets cités sont donc de versets 51 à 54. Je le commence en essayant de vous les citer en arabe, puis par la suite je vous les citerai en français. Donc, Sourate al-Baqarah, Ba'da a'oudhu billahi as-sami'i al-'alim minash shaitani ar-rajim, wa id wa'adna Musa 40 laylatun, summa tahaddumu hijla min ba'dihi, wa antum da'limun, summa afarna 'ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun, wa id atayna Musa al-kitaba wal-furqana la'allakum tahtadun. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتحادكم الحجلة فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العلي العظيم. Donc, et rappelez-vous, lorsque nous prîmes rendez-vous avec Moussa, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, pour 40 nuits, nous l'appelâmes vers les montagnes pour lui donner les commandements. Vous êtes tourné vers l'adoration du veau, une injustice envers vous-même. Nous vous pardonnâmes après cela, espérant que vous soyez reconnaissants. Et rappelez-vous également quand nous donnâmes à Moussa le livre et le critère de distinction du vrai du faux, tout en espérant que vous serez guidés. Rappelez-vous aussi lorsque Moussa, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, dit à son peuple, ô peuple, vous avez été injuste envers vous-même en vous livrant au culte du veau. Repentez-vous, revenez vers votre Créateur, entretuez-vous. C'est mieux, tuez-vous vous-même ou sinon. C'est mieux devant de votre Seigneur. Allah acceptera votre repentir, car il est celui qui accepte le repentir et il est très miséricordieux. Donc maintenant, je commence le tafsir. Vous allez voir que ça n'importe strictement rien. Alhamdoulilah que nous avons le tafsir de l'imam Hassan Askari, alayhi salam. Et n'en déplaise à certains qui veulent affaiblir ce noble tafsir. Donc là, il met un commentaire, la plus grande déviation des enfants d'Israël. Dans ces quatre versets, le Coran revient sur une autre séquence mouvementée de l'histoire des enfants d'Israël, des souvenirs particulièrement secouants au sujet des Juifs. Ces versets font allusion à la plus grande déviation des enfants d'Israël tout au long de l'histoire et de leur vie. Et cette déviation touche un principe fondamental du monothéisme, qu'ils ont bafoué avec l'adoration du veau. Allah les avertit qu'ils ont une fois de plus dans leur histoire basculé vers une forme de dépravation et qu'ils ont été pris au piège d'un tel destin. Ensuite, Allah leur dit, réveillez-vous, la voie du monothéisme pur, donc la voie de l'islam et du Coran, vous est ouverte et ne laissez pas passer cette occasion. Le Coran dit d'abord, rappelez-vous, lorsque nous prîmes rendez-vous avec Moussa pour 40 nuits. Donc là, c'est le début du verset 51. Lorsqu'il s'est séparé de vous et que la durée de 30 jours qui devait passer fut prolongée de 10 jours, vous aviez fabriqué après lui un veau et vous êtes mis à l'adorer, commettant ainsi une grave injustice envers vous-même. Les détails de ces événements, là, il parle de son tafsir beaucoup plus loin, mais nous n'avons que uniquement jusqu'à Sourate al-Baqarah, donc on va passer ça. Donc il dit qu'il y a des versets dans. Verset 142 et suivant de la sourate Al-Araf, ainsi que le verset 90 et suivant de la sourate Taha, vous pourrez revenir à ces versets-là, et vous aurez vraiment le récit d'une manière plus complète. Mais en résumé, qu'est-ce qu'il est dit dans ces versets? Après avoir sauvé les enfants d'Israël des griffes du Pharaon, et noyé ce dernier et son armée sous leurs yeux, Moussa, alayhi salam, fut chargé de venir chercher
les commandements au lieu du rendez-vous, où il allait rester 30 jours au mont Sinaï. Mais pour éprouver les gens, Allah prolongea cette durée de 10 jours. Saméri, qui était un homme particulièrement malin, l'Aratullah Ali profita de cette occasion et réunit tout ce qu'il y avait comme or et autres objets précieux que les enfants d'Israël détenaient encore comme souvenir de l'époque du Pharaon, puis fabriqua un veau qui émettait un son bizarre. Il encouragea alors ainsi les enfants d'Israël à adorer ce veau. Là, vous allez voir que l'imam Hassan Askari donne une autre interprétation. Peut-être ça existe, hein. Ça existe aussi ailleurs, ce que je vais vous dire maintenant. Il donne une autre interprétation que ce qui est connu, c'est-à-dire que le fait que le veau, hein, le Samiri, quand il a fabriqué celui-là, ce veau, et le fait qu'il vivait, c'était comme s'il vivait. Il y a des commentaires qui disent que un jour il a vu les traces de Djibril, alayhi salam, qui passait. Il avait pris forme humaine et il a vu que c'était de la terre. Il y avait de la terre sèche et qui poussait de l'herbe à l'endroit de ses pas. Donc il a pris cette terre. Et il l'a jeté sur le veau. Et c'est là qu'il s'est mis à mugir. Mugir alors qu'il n'était qu'une fabrication. Il ne pouvait pas être un... Donc ils ont été trompés. Mais vous allez voir que l'imam Hassan Askari alayhi salam nous donne une autre chose qui n'a rien à voir avec cela. Qui est beaucoup plus simple et non pas si ésotérique que cela. Il encouragea ainsi les enfants d'Israël à adorer ce veau. La majorité absolue des enfants d'Israël l'imitèrent, excepté Haroun. Alayhi salam, le successeur et le frère de Moussa, alayhi wa sallam, Muhammad wa alayhi Muhammad. Et une minorité qui demeura ferme à l'adoration d'un Dieu unique. Mais quels que soient les efforts fournis pour amener les égarés à la raison, Haroun, alayhi salam, n'avait pas réussi. Au contraire, il avait failli éliminer, les gens avaient failli éliminer Haroun. Après son retour du mont Sinaï, Moussa, alayhi salam, constata les faits et fut sérieusement consterné. Il se mit à les blâmer sévèrement, il prit conscience de leur mauvais comportement et cherchait comment faire pour se repentir. Moussa alayhi salam reçut d'Allah une suggestion, un grand acte de repentir pour eux, que nous commenterons dans les versets suivants. Dans les versets suivants, Allah dit « Malgré ce péché grave, nous avons tout de même pardonné, peut-être seriez-vous reconnaissants. » Allah poursuit ainsi « Rappelez-vous, lorsque nous donnâmes à Moussa le livre et le critère de distinction entre le vrai et le faux, peut-être seriez-vous guidés. » Rappelez-vous aussi, lorsque Moussa dit à son peuple « Ô peuple, certains parmi vous se sont montrés injustes envers eux-mêmes, en s'adonnant à adorer le veau. » Comme tel est le cas. Repentez-vous et revenez vers votre Créateur. Votre repentir doit se faire ainsi. Tuez-vous vous-même, vous devez vous re-entretuer. C'est-à-dire, ceux qui étaient bons devaient tuer ceux qui étaient mauvais. Certes, les gens qui n'avaient pas adoré l'idole n'étaient pas condamnés à mort. Ils étaient plus chauds chargés de tuer ceux qui avaient adoré les idoles et qui étaient devenus des idolâtres. Vous allez trouver ça dans une référence qui s'appelle Atiyab al-Bayan, volume 2, page 34. Et aussi dans le Tafsir Hassan al-Askari que je vais vous citer plus loin. C'est mieux pour vous si vous repentez devant votre Seigneur. Ensuite, Allah accepta votre repentir. En vérité, il accepte parfaitement le repentir et il est miséricordieux par excellence. Cette phrase, vous avez été injuste envers vous-même, mérite une certaine intention, car selon l'islam, lorsqu'on commet un péché, on considère cela comme une injustice qu'on commet vis-à-vis de soi-même, parce que cela laisse immédiatement les traces sur le pécheur. Celui qui commet le péché perd sa dignité et s'éloigne de la miséricorde divine. Voilà. Voilà. Qu'a-t-il dit? Je ne sais pas. Il a écrit. Je peux dire que ça. Franchement, je suis désolé si ça déplaît à certains, mais je peux dire que cela. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Qu'est-ce qu'il a commenté? Qu'est-ce qu'il a ajouté? Je ne sais pas. Maintenant, Mashallah, Ahlul Bayt alayhum salam, très généreux avec nous, l'imam Hassan Askari alayhi salam, vous allez voir ce qu'il nous dit. En réalité, la majorité du tafsir va être consacrée au tafsir Hassan Askari tellement c'est beau et c'est très, très intéressant ce qu'a dit l'imam Hassan Askari. Donc, Allah dit, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moussa pendant 40 nuits, puis en son absence, vous avez pris le veau pour idole alors que vous étiez injuste. L'imam Hassan Askari dit, Moïse avait l'habitude de dire, Moussa alayhi salam avait l'habitude de dire aux enfants d'Israël, quand Allah vous garantit le salut et détruit vos ennemis, j'apporterai un livre de votre Seigneur dans lequel seront écrits ses ordres, ses prohibitions, ses sermons, ses leçons et ses paraboles. Quand Allah a accordé leur salut, Allah le Tout-Puissant a ordonné à Moussa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, de tenir sa promesse et de jeûner pendant 30 jours et de venir à la montagne. Moussa, alayhi salam, pensa qu'après ce jeûne, Allah lui donnerait le livre. Moussa jeûna pendant 30 jours sur la montagne. Et quand arriva le dernier jour, avant de rompre son jeûne, il se brossa les dents. Là, il se brossa avec le miswak, bien entendu. Allah le Tout-Puissant lui a alors révélé, « Ô Moussa, sais-tu que le souffle d'un jeûneur est meilleur avec moi, pour moi,
que l'arôme du musc. Maintenant, jeûne pendant 10 autres jours et ne te brosse pas les dents quand tu romps le jeûne. Et c'est ce qu'a fait Moussa, alayhi salam. La promesse d'Allah, le Tout-Puissant, était de lui donner le livre après 40 nuits. Et le lui a offert. Saméri, la'anallah, vint aux enfants d'Israël, vers ceux qui avaient une foi faible et les a mis dans le doute. Et leur a dit, Moussa, alayhi salam, vous avez promis qu'il reviendrait après 40 nuits. Et maintenant, cela fait 20 nuits et 20 jours. Et il n'est toujours pas revenu, la période est complète. Moussa s'est trompé sur son Seigneur. Le Seigneur est venu à vous pour que vous le voyiez. Il a le pouvoir de venir à vous lui-même. Et il ne vous a pas envoyé Moussa pour cela, sauf qu'il a besoin de lui pour quelque chose. Il leur montra le veau qu'il avait fait. Ils lui dirent, comment est-il possible que ce veau soit notre Dieu? Il leur dit, votre Seigneur vous parlera de ce veau, comme il a parlé à Moussa de l'arbre. Ton Dieu est dans le veau, comme il était dans l'arbre. Il les a égarés, par cela ils se sont égarés. Quand Moussa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, retourna vers son peuple, il leur a dit, ô veau, notre Seigneur est-il en vous, comme ces gens le conjecturent? Le veau a parlé, a dit, puissant est notre Seigneur, qu'un veau puisse l'inclure de quelque chose, comme un arbre ou quelque endroit. Non, par Allah, ô Moussa. Mais c'était Saméri qui avait placé le veau avec le dos au mur, et qui avait foré le mur et placé une personne derrière, parler à travers le trou dans le dos du veau. Là, c'est lors de la tromperie. Mais au moment où Moussa alayhi salam interroge le veau parle réellement. Mais par contre, Saméri, il avait placé quelqu'un derrière dans le mur. Et parler à travers ce dos. C'est pour ça que derrière le dos du veau. Et c'est pour ça qu'après, il leur a dit, c'est ton Dieu et le Dieu de Moïse. C'est-à-dire que là, ils leur ont dit ça pour que les gens l'adorent. Le veau a dit, oh Moïse, ses serviteurs ne m'ont pas pris en culte, ni l'ont pris comme Dieu directement. Mais c'était parce qu'ils étaient devenus complaisants dans l'envoi de salutations à Mohammed et sa progéniture, et ont rejeté leur amitié et la prophétie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, la tutelle du véridique, c'est-à-dire l'imam Ali alayhi salam, jusqu'à ce que leur hostilité les ont rendus soumis à moi en tant qu'Allah, en tant que Dieu. Allah le Tout-Puissant a dit, Allah avait déshonoré les adorateurs du veau en raison de leur complaisance dans l'envoi des salutations sur Mohammed et son légateur. N'avez-vous pas peur d'une plus grande disgrâce dans votre inimitié à Mohammed et Ali, après avoir été témoin de leurs signes et de leurs preuves? Ensuite, Allah le Tout-Puissant a dit, mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes, afin que vous reconnaissiez, signifiant pardonner à ceux d'entre eux, pour avoir adoré le veau, afin que, ou vous qui êtes à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les enfants d'Israël, devez être reconnaissant pour cette miséricorde sur vos ancêtres, et sur vous après eux. Ensuite, l'imam Hassan Askari a dit, et Allah le Tout-Puissant leur a pardonné parce qu'ils ont supplié Allah par Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala jal farajhum wa ala anadam. Et sa progéniture purifiée et renouvelée sur leur cœur l'amitié de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et Ali alayhi salam et leur pieuse progéniture, alayhum salam ajma'in. Lorsqu'ils ont fait cela, Allah fut miséricordieux et leur a pardonné. Ensuite Allah a dit, et lorsque nous avons donné à Moussa le livre et le discernement afin que vous soyez guidés, le saint imam Hassan Askari a dit, rappelez-vous quand nous avons donné à Moussa le livre, la Torah, dans laquelle il demandait aux enfants d'Israël d'y croire, et les obligations qui étaient, et le critère donné aussi, qui évidencie la vérité du mensonge et les gens de la vérité, du peuple de la fausseté. Et Allah, après les avoir honorés avec le livre et leur croyance en celui-ci et leur obéissance à celui-ci, a révélé à Moussa, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, ô Moussa, c'est le livre et ils l'ont accepté, mais le critère est délaissé, lequel différencie les croyants des infidèles, les véridiques et les faussaires. Alors dis-leur de renouveler leur serment, car je n'accepte pas une partie de la croyance et j'accepte la foi de l'un d'eux ou leurs actes que par leur foi en lui. Moussa alayhi salam a dit, qui est-il Seigneur? Allah le Tout-Puissant a dit, ô Moïse, apprends aux enfants d'Israël que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes et le chef des messagers, et son frère, le digne de confiance Ali, est le meilleur des légataires. Et leurs amis seront les chefs du peuple et leurs partisans et ceux qui leur obéissent, ceux qui se soumettent à leurs ordres, des ordres de sa progéniture purifiée. Et leurs interdictions, leurs prohibitions sont les étoiles des jardins et les rois des jardins d'Éden. L'imam Hassan Askari a dit, Moussa alayhi salam leur a appris ceci, il y en avait parmi eux qui avaient une vraie croyance, il y avait parmi eux qui ne croyaient que du bout des lèvres. Ceux qui avaient une vraie croyance avaient une lumière manifeste et brillante émanant de leur front, tandis que ceux qui avaient seulement loué les louanges du bout de leurs lèvres n'avaient pas cette lumière. Tel était le critère de sélection qu'Allah Azzawajal avait donné à Moussa pour différencier les puridiques et les injustes. Ensuite Allah Tout-Puissant a dit, afin que vous soyez guidés, signifiant afin que vous sachiez que la chose qui donne du prestige à un serviteur avec Allah,
le Tout-Puissant, et la croyance dans l'amitié de ses élus, alayhim salam ajma'in, comme ont été honorés vos ancêtres parmi eux. Et maintenant, l'imam Hassan Askari continue. Et lorsqu'Allah Azzawajal il dit, rappelez-vous, enfants d'Israël, lorsque Moïse a dit à son peuple, ô adorateur du veau, ô mon peuple, certes vous êtes fait du tort à vous-même, affligé défavorablement, et en prenant le veau comme Dieu. Revenez donc à votre créateur, qui vous a créé, vous et vos ancêtres, puis tuez-les vous-même, en tuant certains d'entre vous par d'autres d'entre vous qui n'avaient pas adoré le veau. Ce sera meilleur pour vous. Cela est meilleur pour vous, pour votre créateur. Sinon, vous vivrez dans ce monde, il ne vous pardonnerait jamais, et vous finirez votre vie dans ce monde, et ensuite entrerez dans le feu. Mais si vous les tuez et que vous vous repentez, Allah le Tout-Puissant accepterait ces meurtres et compensations, et vous garantirait le paradis dans une demeure protégée. Ensuite, Allah le Tout-Puissant dit, c'est ainsi qu'il agréera votre repentir, acceptant votre repentance avant que vous ne vous tuiez les uns les autres. En vous donnant du temps pour le repentir, il vous a gardé en vie pour l'obéissance. Et c'est lui, car c'est lui, certes, l'accueillant repentir, le miséricordieux. L'imam Hassan Askari a dit, quand Allah avait invalidé le culte du veau par les mains de Moussa alayhi salam, il lui donna le pouvoir de parler afin d'informer le peuple de la tromperie de sa mairie, comme je vous l'ai dit précédemment, la Ranawa. Moussa alayhi salam a ordonné à ceux qui n'avaient pas adoré le veau de tuer ceux qui l'avaient fait, mais la plupart se sont distancés. Et on dit, nous n'avons pas adoré Allah le Tout-Puissant, a dit à Moussa. Nous n'avons pas adoré, c'est-à-dire ils ont nié avoir adoré le veau. Allah le Tout-Puissant a dit à Moïse, alayhi salam, à Moussa, alayhi salam, fragmente ce veau en morceaux par le fer, puis jette les morceaux dans la mer. Ceux qui ont bu de la mer, de leurs lèvres et leur nez deviendront rouges, montrant ainsi leur péché. Moussa, alayhi salam, fit cela. Allah ordonna à 12 000 de ceux qui n'avaient pas adoré le veau de sortir en brandissant leurs épées et de les tuer. Il y eut un appel de l'appelant. La malédiction d'Allah est sur celui qui se défend avec ses mains ou ses pieds d'être tué. Et la malédiction d'Allah est sur celui qui s'abstient de tuer parce qu'il est un des proches ou qu'il est étranger. Donc en fait, ils se seraient repentis. Donc là, ils doivent être purifiés par le fait d'être tués. Et il ne faut pas qu'ils se défendent. Il faut qu'ils se laissent tuer. Les coupables se sont donc soumis à la mort. Les gens qui devaient le tuer ont dit, nous sommes dans une grande difficulté. Nous devons tuer nos pères et nos mères et nos enfants et nos sœurs et nos proches avec nos propres mains. Et nous avons adoré le veau. Nous sommes les mêmes qu'eux dans la punition. C'est-à-dire eux aussi, ils ont été punis, puisque finalement, ils n'ont rien fait. Et leur punition, ils n'ont rien fait pour contrer cette adoration. Leur punition, c'est le fait de qu'ils doivent tuer les membres de leur famille, ceux qui ont adoré le veau. Allah a révélé à Moussa, alayhi salam, ô Moïse, j'ai établi ceci comme une épreuve pour eux, parce que quand ces personnes ont adoré le veau, les autres ne sont pas éloignés des pécheurs et ne sont pas devenus leurs ennemis pour cela. Il aurait été dit, quiconque supplie Allah par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa progéniture pieuse, cela lui sera rendu plus facile de tuer ceux qui ont mérité d'être tués pour un péché. Donc en fait, ils avaient sûrement une tristesse et un stress dans leur cœur. Mais s'ils font salawat Allah Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal faraj wa mal'an, ça devient facile pour eux. Leur cœur devient vaste, ils peuvent tuer leurs propres membres de famille qui ont péché. Ils ont donc récité cela et ça est devenu plus facile pour eux, ils n'ont rien ressenti lorsqu'il est tué. Lorsque le meurtre avait été établi et que sur les 600 000 d'entre eux, 12 000 n'avaient pas adoré le veau, Allah inclina certains à dire aux autres dont la mort était prévue, Allah n'a-t-il pas fait par l'intermédiaire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sa progéniture purifier un ordre pour que quiconque le supplie à travers eux, Allah ne les aimera pas et ne le rejettera pas, et cela la manière utilisée par les prophètes et les messagers, alors pourquoi ne demandons pas par eux? Ils se rassemblèrent. Et prière, ô notre Seigneur, par l'amour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'honorable, et par l'amour de Ali alayhi salam, le plus élevé des grands, et par l'amour de Fatima alayhi salam, la prestigieuse, et par l'amour de Al-Hassan et Al-Hussein, les petits-fils du chef du prophète, et les chefs des jeunes du paradis, et par l'amour de leur progéniture alayhi salam, de la famille de Taha et Yassine, pardonnez nos péchés, pardonnez-nous notre sédition, et que ces meurtres s'éloignent de nous. Dieu un appel du ciel à Moussa alayhi salam, arrêtez le meurtre, car certains d'entre eux m'ont demandé par un serment. Ils m'ont demandé de les protéger de l'adoration du veau. Je l'aurais fait, ils ne l'auraient pas adoré en premier lieu. Et si Iblis, l'Arnallah, m'avait demandé par ce serment, je l'aurais guidé. Et si Nimrod, l'Arnallah, et Pharaon, l'Arnallah, m'avaient demandé par ce serment, je les aurais sauvés. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal faraj wa mal'an adam. Le meurtre a alors cessé, ils ont dit, si nous avions fait cette supplication par Mohammed et sa progéniture purifiée, alayhum salam ajma'in, Allah nous aurait éloignés du mal et nous aurait protégés avec la meilleure immunité. Ensuite, Allah le Tout-Puissant a dit, et quand vous avez dit, lorsque vous dites, ô Moïse, nous croyons qu'après avoir vu, ça c'est la suite des versets, ça ne sera pas
pour tout de suite. Ça sera, inshallah, une autre fois. J'en ai terminé avec ce tafsir. Tafsir, Aktafi Badal Qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, wa traduit au Tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.